nous parlons de la semence et de la moisson. Alléluia. J'ai commencé une série intitulée « La semence, la terre et la récolte ». Donc la semaine dernière, on a vu la première partie dans laquelle j'ai défini les différentes sortes de semences. Aujourd'hui, on va continuer avec la deuxième partie dans l'objectif de nous parler, de nous montrer en fait la puissance qu'il y a dans la semence, donc la puissance de la semence. Juste quelques rappels rapidement, la semaine dernière, on a vu qu'il y avait plusieurs sortes de semences. On a parlé de la semence de l'homme, okay, vous connaissez la semence de l'homme, celle qui a fait que nous soyons nés. On a parlé également de la semence de la parole est une semence. On a parlé de la semence de l'esprit, on a parlé également de la semence de la chair, celui qui sème pour la chair, moisson de la chair, la corruption, c'est-à-dire la mort. Voilà, il y a plusieurs sortes de semences, hein. Les semences financières, voilà. Mais on a aussi vu qu'il existe des semences sataniques. Hein. Le Seigneur Dieu va parler au serpent, il va dire la semence de la femme écrasera ta semence. Donc, on a compris qu'il y a des semences sataniques. Je vous ai fait un témoignage d'ailleurs là-dessus. L'une des choses qui montre qu'on doit faire très attention avec les connexions, les relations avec lesquelles nous nous engageons. Parce que parfois, on chope des semences sataniques. Et la plupart d'ailleurs des comportements déviants, des comportements déréglés, des comportements que les êtres humains manifestent aujourd'hui anti-valeurs morales. Ces comportements-là sont à la base des semences sataniques, des semences charnelles qui germent dans leur vie et qui produisent malheureusement ces attitudes, ces ajustements et ces comportements. Et nous allons voir aujourd'hui davantage par rapport à la puissance justement de la semence, de la parole de Dieu, comment est-ce que nous pouvons être transformés, libérés de toutes ces semences sataniques. Et la liste n'est pas exhaustive. Vous savez, la plus grande semence que Dieu a faite sur la terre, c'est Jésus. Voilà, il a semé son Fils pour une grande moisson d'âmes. Et donc, s'il y a une récolte, s'il y a une moisson à laquelle on doit plutôt aspirer, de plus en plus aspirer, c'est la moisson des âmes. Et pour cela, on doit semer. On doit semer l'évangile, on doit semer la bonne nouvelle. Alléluia. Et donc, voilà, après avoir vu toutes ces généralités, ces définitions des différentes sortes de semences, on a compris l'importance, effectivement, de savoir aussi choisir face à quel genre de semences on s'expose. C'est très important, parce que l'on devient inévitablement ce à quoi on s'expose régulièrement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la semence, toujours, mais aussi de ce qui conditionne la germination de cette semence et la récolte plus tard. On va l'ensemble dans Marc. On va faire beaucoup de lectures aujourd'hui. Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 4. On va lire à partir du verset 1. L'évangile selon Marc, au chapitre 4, à partir du verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez !» Dis à ton frère, « Écoute !» Et vous qui nous regardez à la télévision, « Écoutez !» Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier ce qui l'entourait avec les 12, l'interrogèrent sur la parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point. Enfin, qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point.
de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il faut savoir que dans ce contexte-là, ce n'est pas comme certains pensent qu'en fait, il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés et d'autres pas. Nous avons tous été prédestinés en Christ Jésus. Ici, Jésus est en train de parler par rapport au peuple juif. Jésus n'était pas encore mort à la croix, donc le salut n'était pas encore ouvert aux autres peuples. Donc là, il est en train d'enseigner, il parlait des paraboles, il enseignait en parabole et donc il va leur dire que à vous, les mystères du royaume ont été, la révélation de ces mystères vous a été accordée. Donc il parle aux 12 et à ceux qui l'écoutaient, ok, ce qui avait le privilège d'avoir, de vivre les prémices du salut, ok. Et par la suite, on sait que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a ouvert pour nous une route nouvelle et vivante. Et à partir de la mort de Christ à la croix, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Toutes les barrières de limitation ont été renversées entre les peuples. Et le salut est parvenu jusqu'à nous, parce que lorsque le Saint-Esprit descend dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, Pierre va prendre la parole et pendant qu'il prêche, il va dire « Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ainsi s'accomplit la parole de Jésus qui leur avait été donnée dans Actes chapitre 1 verset 8 qui déclare que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se verra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, dans la Judée, dans la Samarie et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Bordeaux en France. Alléluia. Donc quand Jésus parle comme ça, c'était dans un contexte bien précis. Il ne faut pas mal prendre les paroles de Jésus. Ce n'est pas que le salut est réservé à certaines personnes et pas à d'autres. Alléluia. Donc voilà, lorsqu'ils furent en particulier, ceux qui l'entouraient, au verset 10, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils le voient, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Ça veut dire que cette parabole, la parabole du semeur, est l'une des paraboles les plus importantes. Lorsqu'on l'a comprise, on comprendra facilement toutes les autres paraboles. Le verset 14, le semeur sème la parole. Donc le semeur, c'est celui qui sort, qui sème. D'accord? Alors ça, c'est vraiment sur le plan purement littéraire. Mais quand on pousse la lecture en second degré, on découvre qu'en fait, le semeur, c'est le Saint-Esprit. Oui, le semeur, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous autres, nous ne sommes que des instruments que le Saint-Esprit utilise pour semer. D'accord? Nous sommes des relais. Hein? Mais le véritable semeur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, le véritable semeur. Bon, là, je suis dans des considérations, des analyses purement théologiques. Voilà, tous les commentateurs bibliques s'accordent pour dire qu'en fait, véritablement, le semeur, c'est le Saint-Esprit. Nous ne sommes que des canaux. OK? Donc, quand tu me regardes là, OK? Oublie-moi. Voilà. Oublie ma tête. Oublie la couleur de ma cravate. Oublie mes défauts. Okay. Voilà, reçois la parole de Dieu comme elle l'est véritablement, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu. Non pas comme une parole d'homme, non pas comme venant d'un homme, mais comme elle l'est véritablement, c'est-à-dire la parole de Dieu. Moi, je ne suis qu'un canal avec mes imperfections. Puisse Dieu prendre ce qui est bon et te le transmettre et que tout ce qui n'est pas bon ne puisse pas te parvenir. Alléluia, gloire à Dieu. Okay. Acclame le Seigneur pour sa parole. Donc le semeur aime la parole, donc la semence c'est la parole, on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière que nous avons été régénérés, hein, c'était dans Actes, c'est ça, Actes plutôt, nous avons été régénérés par la parole vivante, n'est-ce pas? Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la semence ici, c'est bien la parole de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Au verset 15, les uns sont le long du chemin. Donc les uns sont le long du chemin. Ici, on fait allusion à des personnes. D'accord? Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, ici, là, le Seigneur maintenant nous parle de la terre, le genre de terre, les différentes sortes de terre. D'accord? Donc voilà, il assimile les différents types de terre à nos vies, à nos cœurs, à des personnes. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence
dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, de consistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence, donc la parole, dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. J'aime bien, il y a une version, je ne sais plus laquelle, je pense à la traduction de ce même verset dans une version, je pense que c'est King James, ou je pense que c'est plutôt la version amplifiée. Malheureusement, là, en français, c'est beaucoup plus une version anglaise amplifiée, qui dit, et j'aime bien cette partie, qui dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et la mettent en pratique. Voilà, ils entendent la parole, la reçoivent, la mettent en pratique et portent donc du fruit. Hein, ils portent du fruit 30, 60 et 100. Okay? Voilà, donc voyez-vous, et c'est là mon point aujourd'hui. Le problème n'est pas tant la semence en elle-même. La semence en elle-même, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu est celle qui a créé le monde entier. Tout ce qui existe a été créé par la parole. De sorte que rien de ce qui existe n'ait été fait sans la parole. Le monde entier est soutenu par la parole de Dieu. Alléluia. Nous-mêmes, nos vies, on l'a vu tout à l'heure, nous avons été régénérés par cette semence de la parole de Dieu. Nous sommes nés de nouveau parce que nous avons reçu la semence de la parole. Le jour où vous avez reçu la parole, la Bible déclare que vous êtes nés de nouveau. Il dit à tous qui l'ont reçu, quoi? La parole. En ce qui croit en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Voilà, vous avez reçu la parole sous forme de lumière, parce qu'il dit, cette parole est devenue lumière, elle est venue éclairer le monde, mais elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Voilà, cette lumière est venue. Mais à tous qui ont reçu cette lumière, donc la parole qui t'a éclairé, qui a illuminé ton esprit, qui t'a accordé la révélation de la personne de Christ, depuis ce jour, tu as été régénéré. Voilà, tu es né non de la chair ni du sang, mais tu es né de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus va l'expliquer à Nicodème. Quand Nicodème se pose la question, comment faire pour naître de nouveau? Est-ce que dois-je encore entrer dans le ventre de ma mère et renaître? Jésus va lui dire, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'en fait, la nouvelle naissance, c'est simplement le fait de naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est la conjugaison, la rencontre de ces deux éléments, la rencontre de ce couple-là qui t'a engendré. Et ça, c'est un couple qui a toujours existé de tout temps. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait que des ténèbres sur toute la surface de la terre. Il y avait un chaos, un tohu-bohu, hein, en hébreu. Donc, et Dieu dit. Donc, Dieu libère sa parole. Et lorsque la parole rencontre le Saint-Esprit qui se mouvait déjà au-dessus des eaux, la lumière fut. Voyez-vous? Donc, voilà. Et c'est pareil. Dans ta vie, okay, lorsque tu es né de nouveau, c'est la rencontre de l'Esprit et la parole qui a fait que ton esprit soit régénéré. Alléluia. Donc, vous comprenez alors que nous ne pouvons pas exister sans la parole et sans le Saint-Esprit. C'est la parole et le Saint-Esprit qui nous ont engendrés. C'est la parole et le Saint-Esprit qui nous ont donné d'être enfants de Dieu. C'est la parole et le Saint-Esprit qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En réalité, même toute notre vie chrétienne est conditionnée par notre rapport à la parole et au Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le problème n'est jamais du côté de la semence. La semence, elle est bonne, même si c'est vrai qu'il existe des mauvaises semences. Quand je parle de semences ici, il faut comprendre dans le sens des informations qu'on reçoit, des connaissances qu'on acquiert. Hein? Il y a des mauvaises semences, on l'a vu, et ça, c'est justement la problématique dans nos églises aujourd'hui, c'est que nous avons une foule nombreuse de personnes qui viennent dans nos assemblées, mais chacun a son histoire, hein? Chacun a son parcours, et chacun de part et d'autre a certainement reçu des semences dans sa vie. Lorsque nous venons dans l'église et que nous écoutons la parole de Dieu, nos cœurs sont exposés à la parole de Dieu, mais ils ont déjà à l'intérieur d'eux des semences qu'ils ont reçues. Jésus le dit. Jésus dit, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Voilà. Le cœur de l'homme est rempli parfois de semences qu'on n'imagine même pas.
voyez, par exemple, ces différents types de terres qui représentent le cœur. Hein? On dit qu'il y a, il y a une terre qui est le long du chemin, une terre qui est pierreuse, une terre qui est épineuse. En fait, tout ça, ce sont des semences. Les épines, ce sont des semences. Ce sont des mauvaises semences qui sont là. Okay? La mauvaise herbe qui a poussé. C'est des semences qui étaient là au départ. Okay? Mais ce n'est pas la semence de Dieu. Okay? C'est pierre, hein, le cœur de pierre. Un cœur de pierre, la pierre représente quoi? L'incrédulité. D'accord? Donc, c'est des semences d'incrédulité qui sont là. Okay? Quand on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu, nos cœurs sont déjà remplis de ces choses. Voyez-vous? Maintenant, le rôle de la parole de Dieu, et c'est là la puissance de la semence, est de pouvoir écraser toutes ces semences existantes en nous pour que seule la semence, la parole de Dieu, germe en nous. Et je pense que c'est dans ce sens aussi que le Seigneur va dire au serpent que la semence de la femme écrasera ta semence. Alléluia. Et notre ministère en tant que pasteur, prophète, peu importe comment on peut nous appeler, n'est pas de vivre la vie chrétienne à votre place. N'est pas de faire du flicage pour savoir ce que tu fais ou du suivi, du poursuivi pour que tu puisses justement changer. Parce qu'il y en a qui peuvent le faire, hein. Ils peuvent paraître parce que vous êtes derrière eux, parce que vous les suivez, vous les poursuivez. Donc, devant vous, ils vont paraître. Mais quand ils sont seuls, la semence qui est en eux va germer. Donc, la solution n'est pas de poursuivre les gens, de les fliquer ou encore de les marteler chaque fois en disant que oui, mais pourquoi tu fais... Hein? Même si tu... J'ai souvent dit, vous pouvez prendre quelqu'un, ok? Vous prenez quelqu'un, vous le mettez en prison pendant, je ne sais pas moi, 2 ans. Pourquoi? Parce que la personne, elle a dealé, la personne, elle a braqué, elle a volé, elle a violé, elle a fait tout ce qui n'est pas bon. Vous pensez que le problème est réglé? Si vous sortez la personne de la prison 2 ans plus tard, la personne est capable de recommettre les mêmes choses le jour même de sa sortie de prison. Pourquoi? Parce que le problème, c'est la semence qui est en elle. C'est la semence qui est en elle qui produit les comportements et les ajustements. Donc le problème n'est pas tant les comportements en fait. Le problème, c'est la semence qui est dans cette personne. Et beaucoup de personnes ont des semences en elles. La semence de la colère, la semence de la violence, la semence de la jalousie, la semence de la vengeance, la semence de la rancune, de la rancœur, la semence de la haine, la semence de l'animosité, la semence de l'impudicité, la semence de la convoitise. C'est là. Et Jésus le dit, il dit le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout, qui peut le connaître? C'est la nature humaine. Elle est pleine de semences de la chair et des semences du diable. C'est la nature humaine. Mais la solution, c'est la semence de la parole de Dieu. La solution, c'est la semence de l'esprit. Lorsque ces deux semences sont plantées en vous, la semence de la parole et la semence de l'esprit, votre vie est transformée. Parce que ce sont ces deux semences-là qui vous ont engendré. La semence de la parole et la semence de l'esprit. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. Tu es né de l'esprit, tu es né de la parole. La semaine dernière, on a vu la semence de la parole, on a vu la semence de l'esprit. Ces deux semences-là, c'est ça qui va changer votre vie. Donc, votre capacité à être transformée dépendra de votre rapport à la parole de Dieu et votre relation avec le Saint-Esprit. Donc, dans la parabole du semeur, on voit clairement que le problème n'est pas la semence. Le problème, c'est le type de terre. Le premier type de terre, c'est le long du chemin. Le long du chemin, c'est une terre qui est exposée. Quelqu'un dit exposée. Exposée. C'est-à-dire que c'est une terre qui est exposée à l'extérieur. Cette terre-là ressemble un peu, si on fait une analogie avec le parcours du tabernacle, on dirait qu'en fait, c'est le parvis. C'est cet endroit où il y a tout le monde. Il y a des passants, les gens qui marchent dessus. La semence est bel et bien tombée, hein? Mais comme il y a beaucoup de personnes, il y a des foules nombreuses qui passent par là, ce long du chemin, donc la semence est écrasée. Parce qu'il y a trop de personnes qui passent par là. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Vous recevez la parole de Dieu, mais il y a trop de personnes qui parlent sur vos vies. Il y a trop de personnes qui passent par... Vous êtes en contact, en relation avec trop de personnes. Vous entendez trop le bruit extérieur.
Donc la semence de la parole ne peut pas produire son effet. Le problème n'est pas la semence. Elle contient la vie en elle. Elle contient la puissance suffisante pour changer ta vie. Mais elle ne peut le faire si toi-même tu ne la reçois pas. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est ceux qui écoutent, qui reçoivent, qui la pratiquent, qui sont transformés. Alléluia. Donc la semence peut être aussi puissante soit-elle, elle ne produira en toi aucun fruit si le sol n'est pas bon. Et le long du chemin, c'est un terrain assez dangereux. Parce que le long du chemin, il y a tout. Il y a les braqueurs, il y a les dealers, il y a les voleurs, il y a les médisants ou encore les calomniateurs. Il y a tout, tu entends de tout. Donc tu viens à l'église, tu reçois la semence. Dès que tu sors, tu es le long du chemin. Tous les bruits extérieurs. Ce qu'on te dit sur les frères et sœurs de l'église, ce qu'on te rencontre sur l'église, ce qu'on te rencontre sur le prophète Sosthène et sa femme. Tout ça là. Donc du coup, toute la semaine, la semence que tu as reçue ne peut pas produire. Pourquoi? Parce que tu es exposé à trop de bruit extérieur. Il y a trop de personnes qui marchent le long de ton chemin. Et la semence ne peut pas produire. C'est pourquoi l'église primitive, l'une de leurs forces, on l'a vu au mois de février, c'est qu'ils étaient assis, croissaient dans l'enseignement des apôtres. Tu dois être focus sur l'enseignement de ton leader. Il n'y a aucune église parfaite. Aucun leader parfait. Je ne suis pas parfait. Si j'étais parfait, je serais dans le ciel aujourd'hui, en fait. Je ne suis pas 3 fois 1. D'ailleurs, même Dieu n'est pas 3 fois 1. D'ailleurs, même Dieu n'est pas 3 fois 1. J'entends les gens qui disent, Dieu est 3 fois 1. C'est écrit où dans la parole de Dieu que Dieu est 3 fois 1? Non, mais montre-moi le verset où c'est écrit « Dieu est 3 fois 1 ». En fait, il se base sur le verset de l'Apocalypse qui dit « Ils s'écrièrent tous, Saint, 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 Saint l'Éternel ». Donc, ils ont compté 1 fois, 2 fois, 3 fois, non. Donc, ça veut dire que Dieu est seulement 3 fois 1. Il n'est pas 4 fois 1. Il n'est pas 5 fois 1. Il n'est pas 6 fois 1. Il n'est pas 7. Donc, même Dieu est limité dans sa sainteté, quoi. Ça veut dire que quelqu'un d'autre peut être plus saint que Dieu, alors. Écoutez, Dieu est saint, point barre. Si tu veux mettre un superlatif, dis, il est infiniment saint. Donc, aucun homme n'est parfait, bien-aimé. Aucune église ne sera parfaite. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, en fait, beaucoup de pasteurs essaient de tout faire pour attirer les âmes dans leurs assemblées. Et c'est pas mauvais, les sciences humaines. On essaie de tout faire, les communications, les réseaux sociaux, etc. Et tout. On essaie de travailler sur le temps. Il faut doser, il ne faut pas faire plus de 30-35 minutes de prédication parce que sinon les gens se lassent. Mais qui a dit que... Bon, bref. Donc, du coup, voilà. Il faut un peu de marketing. Voilà. Quand tu arrives, on t'accueille de certaines façons, etc. Donc, on te met à l'aise, etc. Tout ça, c'est bien, mais ça reste charnel. L'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et une grande grâce reposait sur elle. On doit rechercher l'assistance du Saint-Esprit, on doit rechercher la grâce de Dieu. C'est tout. La croissance véritable des vraies églises, des méga-churches à la biblique, selon le modèle biblique, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est vrai que le Saint-Esprit nous accorde un esprit de sagesse, d'intelligence pour savoir comment organiser la communauté, comment savoir régler les choses, pour mettre tout le monde à l'aise, même si on ne pourra jamais mettre tout le monde à l'aise. Parce qu'il y en a toujours qui seront toujours dérangés. Oui, il y en a toujours, ils ne sont jamais satisfaits, Maman Clarisse. Tu ne parles pas, on dit Maman Clarisse ne parle jamais. Le jour où tu parles, on va dire, oh, elle aussi, elle parle. Hein. L'homme est ce qu'il est. Ok? C'est comme ça. Pendant que je suis en train de prêcher, il y en a quelqu'un, la couleur de ma cravate. Oh, pas mal, mais bon, je pense qu'avec la chemise qu'il a mise, s'il avait mis une couleur, on peut... écoute la parole. Et regarde la couleur de ma chaussure. Je pense qu'avec une chaussure un peu plus relevée, ça va, je suis assez grand comme ça, c'est bon. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. C'est le long du chemin. Leurs pensées divaguent. Même quand ils méditent la parole eux-mêmes à la maison, ils ne sont pas concentrés, ils sont le long du chemin. Ça va à gauche, ça va à droite, ils n'arrivent pas à se concentrer, ils n'arrivent pas à s'arrêter sur au moins 2 lignes, essayer de méditer dessus. Leurs pensées sont concentré. Et la Bible déclare, c'est dangereux ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que quand ils reçoivent la parole, elle est bonne la parole, elle est même à propos, elle est pour elle, par rapport à sa situation.
Mais comme elle est le long du chemin, elle est embrouillée, elle est dispersée. La Bible déclare que l'oiseau voleur, donc Satan, ça peut être aussi un démon, vient voler la semence. Elle était à toi la semence. Elle t'a été destinée. Mais comme tu ne l'as pas reçue, et tu l'as laissée le long du chemin, tu l'as laissée à la portée de tout le monde, eh bien, l'oiseau voleur est venu prendre la semence. Waouh! Waouh! Bon, vous comprenez que le diable, quand il vient voler la semence, ce n'est pas pour s'en nourrir. Hein? C'est justement pour t'en priver. Pour t'empêcher de naître de nouveau. Pour t'empêcher de te convertir véritablement. Pour t'empêcher d'être transformé. Donc, ce genre de personne, la solution, c'est quoi? La solution, c'est de travailler à labourer leur sol. Oui. Parce que le long du chemin, tout le monde marche. À un moment donné, vous savez, les petits chemins qu'on emprunte tout le temps, à un moment donné, ça finit par... le sol finit par s'user et le sol finit par durcir. Donc s'installe finalement l'incrédulité, l'insensibilité. À un moment donné, on devient insensible à la parole de Dieu. On devient insensible à ce qu'on enseigne à l'église. On commence à raisonner, on commence à tergiverser, on commence à finalement à s'y opposer. Pourquoi? Parce que tout le monde marche sur ton chemin, ton cœur est endurci maintenant. Ta conscience ne te parle plus en fait, ou te parle très peu. Ça devient dangereux, tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit. Tu es dans le parvis, tu es complètement embrouillé. Et beaucoup viennent là, et la plupart, quand ils viennent comme ça, ils cherchent la parole qui leur fait plaisir. Oui, quand le prophète n'a pas prêché comme il le voulait, comme il s'entendait, il s'est dit, ah, c'est comme si bon, le prophète a perdu l'onction. C'est comme si Denet ne prophétise plus. Oui, écoute, moi je prophétise toujours, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que la prophétie entre maintenant dans l'enseignement, dans la parole, et si tu es prédisposé et disposé, tu entendras Dieu te parler. Tu recevras tes prophéties dans l'enseignement de la parole. Et tu sauras que Dieu est en train de te parler maintenant. Là, il y a une prophétie pour t'encourager, une parole d'encouragement. Elle vient pour exhorter, pour redresser, pour encourager, pour relever, pour motiver, pour booster ta foi. Et une autre parole qui va venir pour te redresser, une autre parole qui va venir pour corriger, une autre parole qui va venir pour consoler, une autre pour édifier, une autre parole qui va venir comme une instruction divine pour te donner l'orientation à suivre. Mais tout est dans la prédication. Tout est dans le message. Parfois, c'est une parole de connaissance, mais là, il parle de moi, il est en train de me décrire. Ou encore un don de discernement des esprits qui se manifeste pendant la prédication. Donc, je n'ai plus besoin de faire avec des gens ici devant pour faire one-to-one, etc. Ça prend du temps. On va finir les cultes, même parfois, même 15 heures. Non, la parole de Dieu, elle est suffisante pour changer nos vies. Et la parole de Dieu est le canal par lequel tous les dons spirituels peuvent être véhiculés. Alléluia. Dis à ton frère, quitte le long du chemin. Quitte cet endroit-là, ce n'est pas bon. Ça ressemble au parvis. Et long du chemin, tu entends tout, les murmures, les critiques, les calomnies, tu entends tout. Et du coup, tu ne sais plus à quel sens te vouer. Voilà quelqu'un en qui tu avais confiance, un homme de Dieu qui t'a béni. Tu entends tellement de choses sur lui maintenant quand tu arrives à l'église. Tu n'es plus concentré parce que même quand il parle, tu le vois différemment. Mais comme tu n'as pas eu le temps de vérifier cela, tu n'as pas de preuves, et peut-être tu es assez pudique. Tu manques de courage même pour aller le voir, pour poser la question. Donc tu gardes ça dans ton cœur. Tu as déjà reçu la semence du diable. Tellement de semences parlent en toi. Donc la semence, la parole, a du mal à trouver un terrain, un sol fertile. Et vous savez, le problème, même parfois, n'est même pas le sol. Hein? Parce que même quand le sol est maudit, quand Dieu a maudit le sol, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à l'homme, si tu travailles, tu en tireras ton pain. Ah. Même si ton cœur est comme le long du chemin, si tu travailles, hein, le travail de l'âme, oh, tu en tireras ton pain. Donc, tu ne dis pas, ah, mais vraiment, le prophète, là, il parle de moi, mais hey, mon cœur, là, est vraiment, je suis, ça, c'est tout moi, quoi. Hey, mais je vais faire comment? Ah, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oui, il n'y a pas que Dieu. Il y a toi aussi. Il y a toi aussi. Tu dois t'y mettre, tu dois travailler. Tu dois t'y mettre. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit, tout m'est permis,
mais tout ne m'est pas utile et je ne me laisserai point servir. Pourquoi que ce soit, bien aimé. Vous savez, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que je me suis battu. Et je continue à me battre. Vous ne pouvez pas imaginer les combats que je mène. Même dans ma chair parfois. Les tentations, oui, je suis tenté parfois, mais je me bats. Je me bats. Je me bats comme je peux. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas seulement humaines, mais elles sont aussi rendues puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Donc je me bats avec les armes spirituelles, mais je me bats aussi avec les armes humaines. Quand Dieu voit comment je me bats avec les armes humaines, il me dit non, il dit, faut que je l'aide. Et donc il vient, il ajoute la vertu. Je pourrais dire tellement de choses sur cette partie, le long du chemin. Mais un seul conseil, quitte le long du chemin. Quitte là-bas. Ce n'est pas le bon endroit pour toi. Alléluia. Il y a trop de choses qui ne sont pas bonnes pour toi là-bas. Il y a trop de mauvaises relations, trop de mauvaises connexions. Trop de mauvaises... Il dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne vienne affecter. Vous savez, parfois, dans une bouche, une seule dent qui pourrit, Va faire sentir toute la bouche. On va croire que c'est toutes les dents qui pourrissent, en fait. Voyez-vous? Ça, c'est très, très important de comprendre qu'en fait, ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, dans l'Église, ce que Dieu attend de nous, hein, c'est que nous puissions quitter cet endroit-là. Parce que, vous savez, tu peux être dans des bonnes dispositions. Hein, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Tu peux être dans de bonnes dispositions. Hein, mais il suffit d'un... Il suffit d'une mauvaise semence qui tombe dans ton cœur. Ça vient pourrir toute ta vie. Pourrir toute ta vie. Une seule semence satanique. Je vous ai fait le témoignage la semaine dernière. Une seule semence satanique a suffi pour détruire la vie d'une personne qui était en haut, qui s'est retrouvée en bas. Est-ce que quelqu'un peut dire, mes oreilles ne sont pas des poubelles pour que quelqu'un viennent déposer ces déchets. Parce qu'en effet, il y a des semences qui sont des déchets toxiques. Faites attention. Et on doit prier pour nos enfants. Là où ils vont à l'école, dans leur relation avec les autres, etc. Là où ils sont et où nous, on n'est pas, Dieu y est. Que Dieu veille sur eux. Parce que ce qu'ils entendent, ce n'est pas ce qu'ils entendent à l'école. Que ce soit par rapport à ce qui leur est enseigné dans les programmes scolaires. Puisque maintenant, aujourd'hui, ce qui devait être l'instruction nationale s'est illustré comme étant l'éducation nationale et s'est octroyé le droit d'éduquer nos enfants. Donc, on ne sait pas. Vous savez ce que vous dites à vos enfants, mais vous ne savez pas ce qu'on leur dit là-bas à l'école. Vous ne savez pas ce qu'on leur dit dans les petits clubs entre quoi, je ne sais pas trop là. Hein? Vous ne savez pas ce que leurs amis leur disent, ce qu'ils se disent entre amis. Donc c'est une guerre de semences. On est dans une guerre de semences là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la semence de la femme écrasera la semence du serpent. Et quelles que soient les semences que nos enfants reçoivent, quand ils viennent à la maison, exposez-les à la parole. Exposez-les à la semence de la parole. Ouais. Et cette semence-là va écraser toutes les semences qu'elles ont reçues. Toutes les semences qu'elles ont reçues. Le deuxième type de terre, la Bible déclare que c'est un sol pierreux. Un sol pierreux. Alors, on est au verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Il manque de persistance. D'autres versions disent de consistance, de profondeur. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Voyez-vous, ça c'est l'image des chrétiens qui sont tout feu, tout flamme, plein de zèle, mais manque de profondeur. Ils sont superficiels en fait. Et c'est pour ça que c'est bien quand on écoute la parole. Amen, alléluia, amen. Oui, mais parfois, calme-toi un peu. Parce que parfois, tu es noyé dans les « Amen, Alléluia ». Tu es plus dans l'émotion et tu ne laisses pas la révélation descendre en profondeur. Amen, Amen, Amen. Après « Amen » là, écoute quand même. Analyse.
Voilà pourquoi parfois, quand je sens tout de prêcher, je sais que parfois le feu de la parole, comme les disciples d'Emmaüs, vous sentez le feu dans votre esprit. Et vous dites, amen, amen. Des fois, je vous dis, attendez. Vous allez dire amen après. Parce que là, je suis en train de rentrer dans une dimension de révélation, je suis en train de décortiquer, de développer. Et il y en a qui disent amen, amen, amen. J'ai peur que ces amen, amen, amen là ne les empêchent de comprendre la profondeur de ce que je vais leur expliquer. Et qu'ils ne s'arrêtent qu'en surface. Okay. Donc c'est pour cela que pour aller en profondeur, il faut écouter. Et l'une des caractéristiques des disciples, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Le disciple, il écoute. Il est assidu, concentré. L'une des choses qui montre que tu es un vrai disciple, un bon disciple, parce que tu peux être un vrai disciple et ne pas être un bon disciple. Vous êtes tous des vrais disciples. Mais sommes-nous tous des bons disciples? Baptiste Equation. Un bon disciple, il écoute. Et quand il écoute, il prend des notes. Combien plein de notes? Et combien revoient leurs notes quand ils vont à la maison? Et combien réécoutent les messages? Même quand tu ne prends pas de notes, est-ce que tu réécoutes les messages? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on a entendu. Je le répète, la foi ne vient pas de ce qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on entend maintenant. Quand tu entends la parole maintenant, il y a une mesure de foi que tu reçois. Quand tu réécoutes la même parole demain, il y a une autre mesure de foi qui se rajoute. Une autre dimension de révélation qui naît en toi. Ton esprit s'ouvre, tu comprends d'autres choses que même tu n'as pas comprises lorsque l'homme de Dieu prêchait. Parce que la parole de Dieu est d'une telle richesse que tu ne reçois à l'instant que ce qui correspond à la mesure de ton besoin et la foi que Dieu veut te communiquer. Et demain, il faut revenir encore. Dans la même prédication, tu peux épuiser plusieurs révélations. Dans le même texte biblique, tu peux épuiser plusieurs révélations. Alléluia. C'est pourquoi il faut prendre le temps de lire. Chez les Juifs, ils ont jusqu'à 7 niveaux de lecture. Quand ils lisent un texte biblique, ils ont jusqu'à 7 niveaux de lecture. Pour éviter la superficialité. Voilà. Pour éviter la superficialité. On y est arrivé. Ok. Pour aller chercher en profondeur. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Amen, alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Okay? C'est bien le zèle tout feu, tout flamme. Mais il faut faire attention que ce zèle ne devienne pas un zèle amer. Donc, il faut travailler la profondeur. Quelqu'un dit, cette année, je me donne un objectif, c'est de travailler la profondeur. Oui, oui. Et dans vos rapports mutuels, bien aimés, évitez la superficialité. Évitez les relations superficielles légères, la légèreté. Éviter les personnes légères, superficielles. Travailler à être en connexion avec des personnes profondes. Parce que la profondeur appelle une autre profondeur. Et le fer aiguise le fer, le frère aiguise le frère. Pourquoi le frère aiguise le frère comme le fer aiguise le fer? Parce que justement, une profondeur appelle une autre profondeur. Oui, ton frère t'a frustré, t'a blessé. Gloire à Dieu, c'est une délivrance pour toi. Bénis le Seigneur pour ce frère. D'accord? Oui, oui. Ton frère, mais Dieu utilise ton frère pour te tailler. Il utilise ta soeur pour t'émonder. Il utilise ton frère pour te sanctifier. Ok? Voilà. Parce que même quand la Bible déclare que, par exemple, il faut crucifier la chair. Vous pensez qu'il y a que vous-même qui allez crucifier la chair? C'est vrai, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a Dieu, il y a aussi vous, c'est vrai. Mais il y a aussi les frères. Ouais. Dans ce travail de labourer nos cœurs, là, il y a aussi les frères. Je vous assure. Quand on a cloué Jésus à la croix, c'est pas lui qui s'est cloué tout seul. Hein. D'accord? Donc, pareil pour toi. Quand il s'agit de crucifier la chair, bien aimé, même si, comme disait le docteur Victor Bono dans l'une de ses prédications, il dit, même si, par exemple, je te crucifie toi-même, tu ne peux crucifier que jusqu'à un certain niveau. Imagine, tu prends le marteau. La Bible dit qu'il faut crucifier la chair. Donc, tu te crucifies. OK? OK, tu prends le marteau. Tu commences. Tu cloues le pied droit. Tu cloues le pied gauche. D'accord? Maintenant, tu cloues la main gauche. Et la main droite, qui va la clouer?
Bah, tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur pour te crucifier. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Oui. Donc, arrêtez de vous plaindre. Tel m'a dit ceci, m'a dit... Arrêtez de vous plaindre. Bon, ce n'est pas bien aussi, hein, de faire ça aux autres. Hein. Bon, maintenant, si Dieu t'utilise, gloire à Dieu. Non, mais c'est important de comprendre. La vie chrétienne est comme ça. Et donc, les personnes qui ont reçu la parole sur cette terre pierreuse, en fait, elles ont besoin de labourer, casser les cailloux, hein, pour que la terre devienne fertile. Il y a une action divine en cela, bien sûr. La Bible déclare que Dieu est capable de ôter le cœur de pierre et de mettre à la place un cœur de chair. Mais pour que Dieu le fasse, il faut que tu exposes ce cœur à la semence, la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui, comme de l'eau, hein, va venir. Vous savez, y a des cœurs qui ont besoin de temps pour être transformés. Hein. C'est comme cette roche qui est exposée aux eaux de la rivière ou du fleuve ou de la mer. À chaque fois qu'il y a des crues ou bien qu'il y a des grosses vagues, l'eau vient frapper sur la roche. Elle vient frapper sur la roche au fil des jours, des semaines, des mois et des années. Au bout d'un moment donné, la roche finit par lâcher, se fondre, se briser. Pourquoi? Mais parce qu'elle a été exposée pendant longtemps aux vagues, aux eaux, à la puissance des eaux. Et par l'effet de l'érosion, la roche finit par lâcher. Il y a des cœurs qui sont comme ça. Ils viennent, tu te poses la question, les pasteurs, on a parfois du travail, mais ce n'est pas possible. Mais celle-là, ça fait tant d'années. Celui-ci, ça fait tant. Mais pourquoi? Comment il ne change pas? Il y a des cœurs comme ça. Continue seulement à prêcher. Continue à enseigner. Continue à envoyer les vagues d'eau de la parole. Envoie, envoie, envoie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, par l'effet de l'érosion, à l'usure, la roche finira par lâcher. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Oui. Pour certains, ça va vite. Pour d'autres, ça prend du temps. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut persévérer. Courage les pasteurs. À Dieu la gloire et à nous la persévérance. Le cœur de Pierre, c'est aussi un cœur incrédule. Ces personnes qui, elles entendent la parole, malgré toutes les démonstrations bibliques que tu peux apporter, les versets bibliques, tout. Mais dans son cœur, elle est convaincue qu'il y a une autre explication à ce texte. Oui. Elle est convaincue. Elle-même ne sait même pas d'où vient la conviction qu'elle ressent. D'où vient cette conviction? C'est-à-dire qu'elle est juste convaincue. Et tu vas attendre. Oui, c'est vrai, pasteur, tout ce que tu dis, c'est vrai, c'est... Bon, mais enfin, c'est plausible, hein, bibliquement, oui, ça se tient. Bibliquement, ça se tient, mais je ne suis pas convaincu. Donc, tant que tu n'es pas convaincu, tu n'obéis pas. Plus qu'il est écrit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction d'un péché. Mais de quelle conviction parlons-nous? Parce qu'il y a trois types de convictions. Il y a les convictions humaines, les convictions divines, les convictions sataniques. Donc, quand la Bible déclare que ce qui n'est pas le fruit de conviction est un péché, il parle des convictions divines. Mais toute autre forme de conviction peut être péché. Les convictions humaines, les convictions humaines qui sont liées aux philosophies humaines, aux sciences humaines, aux semences que tu as reçues dans ton arrière-plan, dans ton histoire, dans ton enfance, qui viennent faire opposition à la volonté de Dieu, qui se sont érigées en toi comme étant des forteresses, des raisonnements hautains qui se dressent contre la parole de Dieu, contre la connaissance de Christ en toi. Là, mon frère, tu as besoin d'obéir, même que tu ne comprends pas, obéis. Là, tu as besoin de la loi, de la doctrine. Oui. La loi n'a pas été abolie. La loi est encore d'actualité aujourd'hui. Elle est importante même parce qu'elle sert à certaines personnes comme étant un pédagogue pour redresser les comportements, pour vous aider à marcher. Que tu sois convaincu ou pas, obéis. Que tu aies compris ou pas, obéis d'abord. Il y a des choses que tu vas comprendre en obéissant. Il y a des choses qu'on comprend en faisant. Moi, à l'école, je n'étais pas très très fort en maths, mais j'arrivais à comprendre en m'exerçant. Alléluia! C'est ça, bien-aimé. Mais tu veux tout comprendre. Il faut que le pasteur t'explique tout dans les moindres détails. Mais là, quand tu es convaincu, là, tu fais. Mais tu perds du temps. Pendant ce temps, il y a des saisons qui passent. Il y a des bénédictions qui passent. Tu ne peux pas les saisir. Pourquoi? Parce que tu es incrédule. On prêche sur la sanctification. Tu dis que ce n'est pas dans notre temps parce qu'on est au 21e siècle. Ça, c'était à l'époque d'aujourd'hui. Maintenant, avec vraiment les réalités d'aujourd'hui, ça, c'est l'âge de Pierre. L'âge de...
Non, c'est encore d'actualité. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à marcher dans la sanctification et que tu tombes dans le péché que la sanctification n'existe pas. Tu ne peux pas remettre en cause l'existence d'une telle doctrine parce que moi, je n'arrive pas à marcher dans la sanctification. Ou encore, on enseigne par exemple sur la prière. Il y en a qui disent, quelqu'un peut prier pendant 2 heures? Commence déjà par 10 minutes. Commence déjà par là, parce que tu commences à voir 2 heures là-bas, c'est trop grand pour toi. Quand tu vas commencer par 10 minutes, tu vas apprécier les moments de qualité que tu vas passer avec Dieu dans ces 10 minutes-là. Toi-même, tu ne vas même plus voir le temps passer en fait. C'est toi qui vas en redemander. Qui va en redemander? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ton cœur sera tellement épris de la présence de Dieu que toi-même, tu vas en redemander. Comme une biche soupire après de grandes eaux, ainsi ton âme va soupirer après Dieu. Alors qu'au départ, c'était difficile. Moi, quand il s'agissait de me lever pour prier le matin, à l'époque, c'était difficile. Quand j'entendais des témoignages, oui, tu peux te lever à telle heure pour prier. Je dis, ah bon? Moi, quand je me levais, je commençais à prier, je dormais. Le sommeil m'attrapait. Je commençais, Seigneur, je te rends grâce pour vraiment... je m'endors. Je me lève, il est 6 heures. C'est là que je dis amen. Mais avec la persévérance, au fur et à mesure, parce que le problème du cœur pierreux, c'est qu'il manque de persévérance et de persistance. Donc, à force de persévérer, je me suis rendu compte que c'est devenu une seconde nature. Et je me suis surpris moi-même avec une telle facilité à se réveiller le matin et à prier. Chose qui n'était pas facile pour moi avant. Pareil pour le jeûne, j'avais du mal à jeûner. Quand je jeûnais, je commençais un peu, il fallait que je reste vraiment enfermé dans ma chambre. Mais quand je sortais un peu, là, tu vois le paquet de chips, tu te dis, ah, je jeûne ou je ne jeûne plus. C'est là que tu entends certains dire, bon, le Seigneur m'a dit que tu peux déjà arrêter le jeûne. C'est faux, frère. C'est toi qui as faim. C'est toi qui as faim. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. C'est toi qui as faim. Non, non, non. C'est comme avec Abraham. Ils ont toujours des explications bibliques. Ah, voilà, quand Abraham a dit sacrifie ton fils Isaac. C'était difficile, hein, mais Abraham a quand même sacrifié. Après, Dieu a dit stop. J'ai vu que tu m'aimes, que tu me crées. Pour moi, c'était pareil. Il m'a dit vraiment 21 jours de jeûne et prière. C'était dur, j'ai commencé. Mais quand il a vu mon cœur, il a dit stop. Maintenant, je sais que tu me crains. Tu es comme cette sœur-là, on jeûne. Elle ne jeûnait pas. Elle faisait quoi qu'elle jeûnait? Un jour, je lui ai dit, que, est-ce que toi, tu jeûnes? Elle m'a regardé. Elle a compris que là, c'est l'onction prophétique qui l'a détectée. Et comme elle ne pouvait pas dire oui ou non, elle dit, en fait, prophète, je suis dans une attitude de jeûne. Ah! Sœur! Dis-moi, tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas? C'est oui ou non? Non, mais je suis dans une attitude de jeûne. C'est quoi l'attitude de jeûne? Enfin, elle ne jeûne pas, mais dans son cœur, elle est avec vous, quoi. Et c'était comme ça, quand je commençais, c'était difficile. Mais au fur et à mesure que je jeûnais, j'ai pris l'habitude. Aujourd'hui, ça s'est installé en moi. C'est devenu une seconde nature. Et les choses de l'esprit sont comme ça, en fait. Les choses de l'esprit sont comme ça. Au début, c'est difficile, d'accord? Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à jeûner que le jeûne est impossible. Non, c'est possible. Il faut y croire. Je suis en train de parler de cœurs pierreux. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine résistance à la parole, malgré tous les arguments que vous pouvez apporter, malgré toutes les démonstrations bibliques, malgré toute la plausibilité des révélations. Ah, c'est bien. Ah oui. Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. Ah, c'est pas mal. Ça va satisfaire leur curiosité intellectuelle, mais ils restent sur leur position. Pourquoi? Parce que les semences qu'elles ont reçues, ces personnes-là, ont tellement endurci leur cœur qu'elles vivent dans l'incrédulité. La semence de l'incrédulité est tellement forte que des forteresses se sont érigées en elles. On doit persévérer. Ce genre de personnes, ce genre de cœur, on les a à l'usure. Il faut continuer à prêcher, il faut continuer à prier. Il faut beaucoup prier aussi. Parfois, il y a des forteresses, il y a des choses, il y a des esprits, c'est parfois spirituels, hein, qui sont derrière. Okay? Voilà, il y a parfois des semences sataniques qu'il faut écraser à force de prière. C'est là que les dons spirituels deviennent importants. Pourquoi? Parce que les dons de puissance peuvent se manifester pour briser les rochers, pour les faire éclater. C'est là que tu vois certaines personnes. Moi, je me souviens, un monsieur qui est venu ici là, il fumait depuis l'âge de 12 ans. Il n'avait jamais réussi à arrêter les chrétien déjà et tout. Il fumait. Le don de parole de connaissance, tac. Je lui dis, toi, tu fumes. Depuis l'âge
depuis ton enfance. Il dit oui, c'est vrai, depuis l'âge de 12 ans. Et j'entends dans mon esprit, Dieu le sait. J'ai dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, les choses avec lesquelles tu t'es battu depuis longtemps, tu n'as pas réussi à les vaincre. Tu vas les vaincre maintenant. Et je t'annonce la part du Seigneur que tu vas arrêter de fumer. Tu vas sortir d'ici. Quand tu vas repartir chez toi, le goût de la cigarette va te quitter. Et quelques jours après, tu vas essayer de fumer. Mais quand tu vas mettre la cigarette dans ta bouche, elle aura un goût de paille. Et à partir de ce moment-là, tu vas perdre l'envie de fumer. Les choses sont produites exactement comme je lui ai dit. Je ne sais pas qui était là. Tu étais là, oui. Lors d'un entretien, c'était un couple. Il est parti. Les choses se sont produites exactement comme je lui ai dit. Il a essayé de prendre la cigarette, maintenant la bouche, goût de paille. Et il a arrêté de fumer. Maintenant, il témoignait partout. Maintenant, il m'a amené tous ses amis fumeurs pour que je prie pour eux. Je me souviens, on s'est retrouvé dans une pastorale, il était parmi les leaders maintenant. Et il a témoigné lors de la pastorale à Bordeaux ici. Ah, vraiment? J'ai dit, pardon, il ne faut pas me chercher les histoires ici. Là. C'est là où les dons spirituels deviennent importants. Mais vous savez, la vie chrétienne ne se vit pas qu'avec les dons spirituels. Il y a aussi les fruits de l'esprit. Or, les fruits de l'esprit, là, c'est le travail. Tu dois t'y mettre, tu dois prier, jeûner, lire la parole, labourer, l'exposer. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes littéralement changés, transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Progressivement, alors que tu t'exposes à la parole, tu es progressivement transformé de gloire en gloire. Le problème, c'est qu'on est inconstant. On n'est pas constant. Le problème de cette terre, c'est que manque de consistance, de persévérance. En fait, il fait aujourd'hui, il ne fait pas demain. Il prie aujourd'hui, il ne prie pas demain. Il prie une fois par semaine, une fois par mois. Tu vois, il n'est pas régulier. Donc, la solution à ce type de cœur, pour briser la roche, pour briser le roc, la pierre, là, il faut être régulier. Il faut être persévérant. Il faut être vraiment assidu. Il faut prier régulièrement le matin, à midi, le soir. Il faut jeûner régulièrement au moins une fois par mois. Hein, les sept jours de jour, voilà, la première semaine là. Jeûne au moins, même quand tu ne peux pas jeûner tout seul, il y a au moins un dispositif dans l'église qui nous aide à jeûner ensemble. Mets-toi-y, tu vas voir. J'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, je n'arrive pas à arrêter. C'était quoi encore ce problème? C'était quoi? J'ai dit, écoute, le véritable jeûne, c'est quoi? Abstiens-toi pendant 40 jours, tu vas voir. Mais sois régulier. Pendant 40 jours, tu t'abstiens de la chose. Mais tu es régulier dans le jeûne, la prière. À la fin de 40 jours, la Bible déclare que le véritable jeûne te libère. Tu vas vivre la puissance du jeûne, il faut y croire. Le problème, c'est que le cœur pierreux a du mal à croire. Quand on lui enseigne la parole de Dieu, quel que soit ce qu'on lui enseigne, en fait, il croit ce qu'il veut croire. Il croit ce qu'il arrange. Mais quand il s'agit de choses qui vont un peu plus en profondeur, comme il manque de profondeur, il commence à buter. Pourquoi? Il se dit non, c'est pas possible. Ah non, ils en font un peu trop là. Ah non, c'est pas possible. Ah non, mais là il exagère. Ah non, mais peut-être que lui, il a réussi à le faire, mais c'est pas facile pour tout le monde. D'ailleurs, même lui, là, il est pasteur aujourd'hui, ça n'a pas été du jour au lendemain. Il y a eu quand même du chemin. Mais oui, d'accord, mais c'est pour ça que je veux te faire gagner du temps. C'est-à-dire que, si j'ai pu acquérir ou obtenir des victoires au bout de 10 ans, je veux que tu puisses gagner du temps, qu'au bout de 10 jours, au bout de 10 semaines, tu puisses vaincre. Donc, je te partage des choses que j'ai reçues. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que s'installent les raisonnements au niveau du cœur de Pierre. Beaucoup de raisonnements. Les contradictions, les rébellions, l'orgueil, hein, les résistances, c'est le cœur de Pierre. Le problème, il manque de profondeur. Donc quand tu l'amènes à la profondeur, la parole de Dieu ne comprend pas. Il s'y oppose. Non, là, il commence à aller. Non, là, c'est la déviation. Là, c'est l'hérésie. Là, il ne comprend pas, en fait. Il lui manque de profondeur. Oui, parce que tu jettes tellement des semences précieuses à un enfant qui ne comprend pas, en fait. Il manque de profondeur. Le pauvre, okay, il a besoin de profondeur. Et pour que la profondeur vienne, il faut de la persévérance. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Toi-même, tu dois persévérer. Tu dois travailler à ton âme, au salut de ton âme. Reçois avec douceur la parole de vérité qui va sauver ton âme. Accepte. Tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Tu comprends, gloire à Dieu. Mais accepte, obéis et persévère.
Ne fais pas, tu viens à l'église une fois, après tu ne viens pas, tu ne viens pas. Tu n'es pas régulier aux réunions de prière, tu n'es pas régulier au culte, tu n'es pas régulier au rassemblement des mardis, de famille, d'accueil, d'intégration et d'accompagnement spirituel. Tu n'es pas régulier. En fait, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas gagner en profondeur spirituelle si tu n'es pas régulier dans les choses de Dieu. C'est une discipline que tu dois t'y infliger. C'est une discipline. Il faut que tu te donnes, tu te fixes l'objectif d'être régulier. D'être régulier dans toutes les choses de Dieu. Régulier dans la prière. Au moins 2 fois par jour. Le matin avant de te lever, avant de sortir de chez toi. Prends au moins 15 minutes de prière et de lecture de la parole. Quand tu lis la parole, tu comprends, gloire à Dieu. Tu ne comprends pas? Non, ce que tu ne comprends pas, tu poseras les questions à tes pasteurs de secteur, dans les familles d'accueil et d'accompagnement spirituel. Mais lis la parole. Pourquoi? Parce qu'en la lisant, la Bible déclare que Jésus a reproché aux pharisiens et aux scribes. Il a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance des Écritures. Ça veut dire que quand tu lis la parole de Dieu, il y a 2 éléments. À l'intérieur, il y a la parole elle-même, mais il y a aussi la puissance des Écritures. Donc, tu t'exposes à 2 choses. Premièrement, à la parole elle-même qui va te laver comme une eau, qui va te nettoyer, te transformer, te changer indépendamment de toi-même, indépendamment de ta compréhension, de ton niveau de foi. Parce qu'il dit que le royaume de Dieu est semblable à un semeur qui est sorti pour semer. Il a jeté la semence, qu'il veille ou qu'il dort, la semence va germer indépendamment du semeur. Alléluia! Donc, lis la parole, que tu la comprennes ou pas, lis. Parce qu'à l'intérieur, il y a une semence de vie. Il y a la vie, il y a la puissance dans la semence qui va littéralement changer ta vie. Et peut-être que c'est même là que les choses qui t'empêchaient de comprendre vont tomber. Le voile va se déchirer. Il y a des choses qui vont partir d'elles-mêmes et qui vont t'ouvrir l'esprit à la compréhension. Et prochainement, quand tu vas lire la parole, ça va devenir plus clair. Pourquoi? Parce que tu t'es exposé à la parole et à la puissance qui est dans la parole de Dieu. Elle agit en nous. Oui, il y a une puissance de la parole qui agit en nous. Alléluia. Il y a une puissance de la parole. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui le dit en 1 Thessaloniciens. L'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Nous lisons ensemble, il est écrit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, c'est-à-dire comme étant la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Donc pour que la parole de Dieu agisse en toi, il faut qu'elle trouve en toi la foi. Parce que la parole de Dieu agit en vous qui croyez. Quand on croit, on ne comprend pas forcément. Il y a des choses qu'on va comprendre, il y a des choses qu'on va comment on croit. Croire, c'est faire confiance. Il dit que vos cœurs ne se troublent point, ne s'alarment point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi? Parce que même s'il y a le trouble autour, rassurez-vous, je suis là. Mais pourtant, ça bouge autour. Mais croyez en moi. Et la vie chrétienne est comme ça, bien-aimé. Elle est faite. Il y a des moments, c'est difficile. Tu es dans la confusion, tu es dans le trouble. Mais tu dois croire. Tu dois croire. Espérant contre toute espérance, il crut, il ne douta point. Qui a lu la méditation de ce matin? On en a parlé. Alléluia. Thank you, Lord. Et enfin. On ne va pas parler de la quatrième terre parce que la quatrième terre, elle s'explique d'elle-même, c'est la terre fertile. Et c'est vraiment notre sujet de prière, que tous les cœurs deviennent fertiles. Le troisième type de terre, c'est quoi? La terre épineuse. Les épines, les ronces. Jésus l'a expliqué. Il a dit, ce sont les soucis de ces siècles. Les convoitises, les richesses de la terre. Il a dit que vos cœurs ne s'appesantissent. Prenez garde. D'autres versions disent que votre esprit ne s'alourdisse par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. Voilà les choses qui empêchent aussi à la semence de germer en nous. Et l'apôtre Paul donne une solution. C'est la loi du contentement. Vivant dans l'abondance, vivant dans l'indigence, je puis tout par le Seigneur qui me fortifie. Vous devez être prêt à vivre dans l'abondance comme dans l'indigence.
Oui, mon épouse et moi, on est parti avec Madame Lanoir en mission. C'est la première fois qu'elle allait en Guyane. On a commencé par la première conférence, c'était à Cayenne. On était logés, vraiment, c'était super. Logés dans un hôtel 4 étoiles, waouh, vraiment, on était aux petits soins. Quand on a fini là-bas, on s'est retrouvé à Mana. Mana, ça veut dire, dans notre langue, ça veut dire c'est terminé. C'est terminé les 4 étoiles. C'est terminé l'eau chaude qui sort des murs. C'est terminé la piscine. C'est terminé les jacuzzis. C'est terminé les restaurants le soir. C'est terminé. Là-bas, c'était Mana. On arrive dans une maison inachevée, en plein chantier. Les moustiques. Voilà, il n'y a pas de climatisation. Vous devez avec le ventilateur. Il tourne, mais il ne met pas de l'air. Il faut vous doucher dans une douche avec des seaux. OK? Voilà. Comme à l'ancienne. Hé, hey, Jésus, 4 étoiles! Vivant dans l'abondance, vivant dans l'indigence, je puis tout! Acclame le Seigneur, alléluia! Et le soir, il fallait aller prêcher avec le même zèle, avec la même détermination, avec la même fougue, avec la même onction, avec les mêmes dons prophétiques. Eh oui, oui, oui. Tu as quitté une conférence de plusieurs centaines de personnes, tu te retrouves devant 20 personnes. Tu dois remettre ton costume. Tu changes pas, hein. Faut pas dire parce que c'est 20 personnes et puis voilà. Non, non, non. Ouais. Et quand tu fais le parallèle dans ta vie de tous les jours, c'est pareil. Hey, ça peut arriver, hein. Vivant dans l'abondance, vivant dans l'indigence, je me contente. Dieu sait pourquoi il me fait passer par là. Alléluia. Tu avais une belle maison, très très belle maison. Je ne sais pas à qui Dieu parle ici, là. Tu l'as vendue. Maintenant, tu te retrouves locataire. C'est juste une étape. Parce que la gloire de la prochaine maison, elle sera plus grande. Oui. Tu quittes l'Égypte ou le Canaan, mais tu passes par le désert. Et les soucis de la vie ont fait en sorte que beaucoup de personnes ont lâché, ont abandonné. N'abandonne pas. N'abandonne pas, continue de persévérer. Et il dit, prends garde que ces choses-là n'appesantissent ton esprit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut protéger ton cœur. Il faut le préserver. Il faut, parce que c'est de lui que sortent les souches de la vie. Et si tu le préserves, tu trouveras dans ce cœur des chemins tout tracés. Dieu te conduira, il conduira tes pas. Il va être comme une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Il t'amène quelque part. Il te conduit dans des verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Il va restaurer ton âme. Pourquoi? Parce qu'il sait une chose. C'est que l'avantage de la terre épineuse, c'est que si elle ne peut pas, si la semence ne peut pas trouver le moyen de croître en hauteur maintenant, elle a au moins la capacité de croître en profondeur. Donc comme les épines et les ronces l'empêchent de monter, la semence va descendre. Elle va descendre. Et l'avantage de ce type de terre, des soucis de la vie, etc., c'est que ça, ce sont des situations que Dieu permet dans ta vie pour t'amener à travailler la profondeur. La profondeur. Tu es obligé de prier. Tu es obligé de jeûner. Tu n'as pas d'autre choix. Tu regardes à gauche, à droite, qui va t'aider? Les hommes sont limités. Ils t'apportent l'aide qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas faire plus. Parce que aime ton prochain comme toi-même. Il n'est pas dit plus que toi-même. C'est la vérité, hein? D'accord? Donc, il va faire dans les limites de ce qu'il est capable de faire, comme lui-même. Le maximum qu'il puisse faire pour t'aimer, c'est comme lui-même. Jamais plus que lui-même. D'accord? Donc, ne les en veux pas. Mais Dieu permet ça pourquoi? Pour empêcher la semence. Il empêche à la semence de monter. Donc, les épines, les ronces, les lianes, tout ça empêche à la semence de monter. Donc, la croissance en hauteur est impossible dans cette situation. Par contre, le sol est fertile. Donc, la semence va descendre. Elle va descendre. Donc, tu vas gagner en profondeur. Gagner en profondeur. Voilà que la
semence-là va devenir, va s'enraciner, va prendre des racines et des racines profondes. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Quand maintenant va arriver le moment de monter, aïe, 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 c'est un gros arbre qui va sortir de terre. Un gros arbre comme un palmier royal. Et quand c'est un gros arbre qui a suffisamment pris de racines, qui est fortement, profondément enraciné, plus rien ne peut l'arrêter en hauteur. Plus rien. L'arbre sort de terre et détruit les lianes, les cordes, les épines, les ronces à son passage, majestueusement, magistralement, sans forcer. Ah, c'est là que tu deviens géant spirituel. On voit ton autorité spirituelle s'affirmer. Waouh, waouh. Oui, oui, c'est ça que la Bible déclare, que l'ouvrier doit être éprouvé. Quand tu as été éprouvé profondément, tu as gagné en profondeur. Tu gagnes en maturité spirituelle. Tu gagnes en autorité spirituelle. Tu es affermi. Tu es affermi dans ton identité spirituelle. Tu deviens magistral. Tu deviens, mais vraiment, tellement influent que tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit. Tu t'y imposes. Dans quel que soit l'environnement, tu t'y imposes. Et les gens voient le fruit. Ah, et l'avantage avec ce genre de situation, c'est qu'en fait, même s'il y a de l'ivraie autour, l'avantage c'est quoi? C'est qu'en fait, comme tu as pris la profondeur, tu deviens un gros arbre, on voit tout de suite la différence entre toi et l'ivraie. Et les gens qui t'ont calomnié, qui t'ont critiqué, les gens qui t'ont médit, les gens qui t'ont enterré trop tôt, seront surpris de te voir ressusciter. Ils t'ont enterré en forme de semence. Tu ressuscites en forme de gros arbre royal. Quelqu'un ici acclame Dieu. Alléluia. Et quand c'est comme ça, plus rien ne peut t'arrêter. Plus rien. C'est là que tu deviens, tu vois, une personne que Dieu peut utiliser comme un leader pour enseigner aux autres. Ah oui, oui. Il y a des gens qui m'ont dit, mais vraiment, le docteur Pierre Aymar là, waouh, waouh, waouh. Mais il était où? Si je vous dis où il était, vous comprendrez pourquoi maintenant, c'est maintenant que Dieu le révèle. Il était dans le désert. Et quand il est venu là, il est venu en fait parce qu'on lui a dit non, viens un peu te reposer. Il était dans le désert, dans la fournaise ardente. S'il pouvait prendre le temps de vous raconter tout ce qu'il a vécu, des années durant, vous n'aurez que des larmes aux yeux pour pleurer. Et quand vous entendez quelqu'un comme ça prêcher, vous dites, mais waouh, hey, c'est ça. C'est le palmier qui sort de terre. C'est l'arbre qui sort de terre maintenant. Il commence à... et la Bible déclare que, tu vois, ce type d'arbre-là, les oiseaux peuvent venir maintenant s'abriter. Oui. Il dit que la semence a germé, elle est devenue un gros arbre, et les oiseaux viennent pour s'y abriter. Et le feuillage de cet arbre sert de remède aux nations. Je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler de toi. Je parle de toi en fait. Tu deviendras un gros arbre sur lequel viendront s'abriter les oiseaux du ciel, les oiseaux des nations tout entières. Et ton feuillage servira de remède aux nations. Je le déclare dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Ton feuillage servira de remède aux nations. Continue simplement de prier. Tu passes par des temps difficiles. C'est la terre épineuse. Oui, les ronces, les épines, les soucis de la vie, les inquiétudes. C'est compliqué pour toi. Continue, continue. Persévère. Dieu permet ça pour faire que tu puisses travailler ta vie en profondeur et que ta foi puisse grandir. Il a dit que la foi sera comme un petit grain de moutarde. C'est ce grain de moutarde. La particularité du grain de moutarde, c'est qu'il croit. Il croit, il croit jusqu'à devenir un gros arbre. Et les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Et le feuillage de cet arbre sert de remède aux nations. Je parle de ta vie, je parle de toi. Je prophétise sur toi que 2023, c'est l'année de la profondeur. 2023, c'est l'année où Dieu t'amène au large. Je prophétise sur toi. Rebote, rebote, l'Éternel te mène au large. Ce que tu traverses aujourd'hui comme situation difficile, comme épreuve, c'est pour t'amener au large. L'Éternel t'amène en profondeur. Ta vie de prière change de dimension. Ta foi va changer de niveau. Je te vois shifter, je t'assure. Je vois ta vie changer littéralement. Traverse encore, résiste, persévère. Sois régulier seulement dans tes temps de prière personnelle. Vanessa, ne te décourage pas. Dieu a le meilleur pour toi. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit Dieu. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Hey, un arbre a de l'espérance, n'est-ce pas? On le coupe, mais il repousse encore. Aïe, 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 aïe. Je dis qu'un arbre a de l'espérance. On le coupe, mais il repousse encore.
il produit des bourgeons et il repousse encore. Il produit des feuilles et il repousse encore. Il produit des fruits et il repousse encore. Il n'y a rien de ce que Dieu a créé qui n'obéit à la loi de la régénération. Tu coupes tes cheveux, ça repousse. Tu coupes tes ongles, ça repousse. Tu coupes, même si tu te gratines un peu la peau, ça repousse. Parce que tout ce que tu as créé obéit à la loi de la régénération. Quelqu'un a déchiré ton cœur. Aujourd'hui, tu as perdu tout sentiment d'amour. Tu ne crois plus en un homme, à une femme. Je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu va restaurer ton cœur. Il va restaurer ton âme. Il va guérir ton âme. Tu te dis, oh, je ne serai plus jamais capable d'aimer. Tu aimeras. Je t'annonce que tu aimeras même plus que jamais auparavant. Oui, 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 je ne veux plus jamais marier. Non, 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 non. C'est comme m'a fait souffrir là. Je préfère rester comme ça. Mais mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, oui, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais non, Dieu n'a pas dit que tu seras seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une semblable. Peu importe ce que les gens ont fait. Peu importe ce qu'ils ont dit. Peu importe ce que tu subis aujourd'hui. Dieu restaure ton âme. Restaure ton cœur. Restaure ton âme. Et il a un avenir meilleur pour toi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Je parle à quelqu'un ici, la part du Seigneur. Il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Je ne sais pas, tu as perdu un emploi. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un emploi. Dieu a une entreprise pour toi. Alléluia. On t'a mis dehors parce que maintenant, tu vois, le locataire, on dit voilà, tu n'as pas payé. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, peut-être que tu squattes un peu à gauche, à droite. Tu colloques avec tel et tel. Parce que peut-être que, bon, voilà, c'est compliqué. Tu es étudiant. Ou bien c'est difficile. Tu es au chômage. Mais. La gloire que je vois venir sur ta vie, my God, la gloire que je vois venir sur ta vie, elle est tellement grande que je te vois devenir un jour propriétaire de tes propres possessions. Aujourd'hui, tu es SDF, tu es sans domicile fixe, demain, tu seras propriétaire. Aujourd'hui, tu es à pied, demain, tu seras véhiculé. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas d'emploi, demain, tu auras un emploi. Je prophétise sur ta vie la grâce du grain de moutarde. La grâce de cette semence de grain de moutarde. Vous savez, cette semence de grain de moutarde là, elle est particulière, elle est petite. Mais lorsqu'elle est semée quelque part, elle croit. Elle croit d'abord en profondeur, elle croit. Et quand elle monte, plus rien ne peut l'arrêter. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu as la foi comme un petit grain de sénévé, comme un grain de moutarde. Donc voyez-vous, la semence qui est comparée au grain de moutarde, c'est la foi en fait. Oui, oui, c'est la foi. Voilà pourquoi elle a autant de patience d'aller en profondeur et d'attendre le temps favorable pour monter en hauteur et pour devenir ce gros arbre sur lequel les oiseaux du ciel peuvent venir s'abriter et dont le feuillage peut servir de remède aux nations. Quelqu'un ici acclame le Seigneur pour sa parole. Oh, est-ce que la parole de ta feuille du bien ce matin? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Lève-toi là où tu es, on va prier un instant, bien-aimé. Lève-toi là où tu es. My God, thank you Lord. Élève ta voix, dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu ce matin. Thank you Lord. Ah, Seigneur, fais de nous des terres fertiles. Fais de nous des terres fertiles, Seigneur, de personnes dont les cœurs reçoivent la parole, l'écoutent, la reçoivent, la mettent en pratique et portent du fruit. Et pour cela, Seigneur, oh Dieu, débarrasse-nous de tous les éléments du long du chemin. Débarrasse-nous, Seigneur, oh Dieu, de toutes les pierres, ces cœurs de pierre. Débarrasse-nous des épines et des ronces. Fais de nous des terres fertiles. Lève tes mains vers le ciel, alléluia. Yes, Lord.